L'erreur à ne pas commettre, c'est de se relâcher. Ça, c'est une erreur que je ne commettrai pas. Voilà, et je vais demander aux joueurs de ne pas la commettre. Donc voilà, donc, il faut continuer dans cette dynamique. Mais rien n'est fait, rien n'est acquis. Il faut faire un parcours presque d'Européen pour... Oui, il faut faire un parcours d'Européen pour se sauver cette année. Très, très difficile. On a vu encore un match, même si on a fait un bon match. Cette équipe de Nice nous a posé quelques problèmes quand même. Il faut être deux pour faire un bon match. Et c'est vrai que leur jeu de position, leur qualité technique nous a posé quelques problèmes. On était présents, donc on est solide et on va de l'avant. Donc je pense que la victoire est méritée. On peut pas dire ça. On travaille et on essaye de voir les qualités qui passent vers pour les contrer, de voir s'ils ont quelques faiblesses aussi. Donc voilà. Donc voilà. Après, ça arrive à la première minute, ça peut arriver à la 15e minute. Voilà. Donc, ça fait partie de l'histoire du match. Il y a une volonté d'aller chercher tout de suite. Ah bah oui, ça c'est une volonté d'aller faire du pressing, de provoquer l'erreur, de, bien sûr. Et à la conclusion de ces actions, à chaque fois qu'il y a eu le dialogue, on peut dire encore plus qu'on a déjà dit par le dialogue. Bah écoutez, il fait une très très belle saison. Je vous l'ai dit, il est fiable, on peut compter sur lui. Je vous l'ai dit déjà jeudi. Donc il confirme ce que tout le bien que je pense de lui, que tout le bien que tout le monde pense de lui. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu mettre un second. Après, il y a l'équipe adverse qui joue aussi. Donc c'est vrai qu'on a été on manquait un peu de sang-froid par moment. Voilà, donc, mais je pense qu'on a mieux maîtrisé l'ensemble que d'habitude. Voilà. En même deuxième mi-temps, on n'est pas trop en danger. Et on amène du danger, même s'il n'y a pas des occasions nettes. Il y a souvent des situations dangereuses. Donc c'est vrai qu'on aurait pu marquer un deuxième but, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche.